être comme mon père, prisonnier du souvenir de ce qui n'est plus. Plague, transforme-moi! Adrien m'inquiète. Sa lame a perdu de son éclat. Sa quoi? Vous êtes faibles, enfin sensibles tous les deux. Tu es la plus à même de lui faire retrouver sa joie de vivre. Je ne suis pas... Tu dois te dépêcher de lui déclarer ton amour afin que l'eau fraîche de tes paroles polisse son cœur et qu'il étincelle. Ainsi, Adrien retrouvera son éclat. J'ai rien compris à ce... Le problème, c'est que ta technique pour séduire Adrien est nulle. Or, la séduction, c'est un combat. Et pour gagner un combat, il faut s'entraîner. Tu es Tori, l'attaquant. Il te faut donc un hooké, un défenseur. Tori, hooké? Trouve quelqu'un pour qui tu ne ressens rien. Tu pourras répéter tes techniques de séduction avec cette personne sans que tes émotions te perturbent. C'est pas un peu bizarre? Pas plus que ce que tu fais d'habitude. C'est une technique reconnue. Il y a même des livres sur le sujet. Ok, mais si la personne avec qui je m'entraîne tombe amoureuse, puisque moi je ne ressens rien, ça pourrait avoir des conséquences terribles. Tu dois t'assurer que la personne choisie n'a aucune chance de tomber amoureuse. Je compte sur toi. Mais qui je vais bien pouvoir trouver pour faire le hooké machin chose? Je peux jouer Adrien si tu veux. Tu es vraiment adorable, Tiki. Je ne manque pas d'imagination, mais je crois que ça sera plus simple avec un humain. Cataclysme! Des transformations. Oh, et pitié de moi, tu sais combien j'aime le fromage, mais là, bon, ça commence à m'écœurer. On s'arrêtera quand on aura fait disparaître toute trace de mon amour pour Ladybug. Toute trace? Plague, transforme-moi! Non, ah non, non, ça serait trop bizarre. Oh, c'est impossible, je vais jamais trouver quelqu'un pour m'entraîner. Chat noir, c'est le candidat!